Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur BFFR pour cette nouvelle vidéo de Battlefront 2. Nous avons donc la mise à jour qui est dorénavant disponible, en tout cas sur certaines plateformes au moment que je fais cette vidéo. Dans cette vidéo, vous pourrez voir du gameplay en arrière-plan de Scarif, mais surtout on va regarder les nouveaux skins ensemble et on va parler de la fin de Battlefront 2 comme j'ai dit que j'allais faire dans la dernière vidéo et donc du futur de la chaîne par la suite. Mais ça, on y revient plus tard. Regardons premièrement les nouveaux skins qui vous sont disponibles. Vous pouvez bien sûr dorénavant commencer à débloquer le skin de Maul que vous voyez à l'instant. Il est magnifique une fois en jeu, ça c'est clair avec ses jambes de métal, son sabre et ses bras, vraiment c'est fantastique. Il vous faut 5000 éliminations pour l'avoir, donc je devine que ça sera plus rapide à faire en co-op bien sûr. Avant de regarder les autres skins de héros, regardons tout d'abord les skins de troopers, car je vous rappelle que avec cette mise à jour, vous pouvez changer les skins de l'Empire avec pas mal ce qu'on a basé sur les maps. Donc, bien sûr, le nouveau Short Trooper basé sur Scarif est disponible pour vous, vous pouvez l'équiper. Les rebelles aussi ont leurs propres skins qui leur sont équipés quand ils sont sur Scarif. On a bien sûr tous les autres skins des maps que vous pouvez voir, que vous pouvez aller sélectionner si vous voulez. D'ailleurs, on a aussi un changement au niveau du skin du Zabrak. Donc, si on regarde bien le soldat lourd, le Zabrak a en effet eu des modifications. Et en plus, ils ont ajouté aux spécialistes une Zabrak, mais femelle, voilà. Bref, retournons voir les skins de héros. Premièrement, bien sûr, Rey Skywalker est un des nouveaux skins qui avait été demandé dans la mise à jour de décembre, suite au film bien sûr. Vous pouvez l'équiper, elle a bel et bien son sabre laser, son nouveau sabre laser jaune, et en effet, il rend très bien. Sinon, le Sénat lui-même, Palpatine, a son nouveau skin, le skin de l'épisode 9, avec son habit rouge que vous pourrez dorénavant vous procurer. Finalement, on a un skin pour Rey et Kylo Ren, en fait basé sur les apparences que l'on avait eues en décembre, mais avec leurs capuches qui sont montées. Voilà. A savoir, tous ces skins sont gratuits, donc lui de Kylo Ren avec la capuche, lui de Palpatine, lui de Rey avec le sabre jaune, vous pouvez les équiper dès maintenant. Sauf le skin de Rey à capuche. Celui-ci est bloqué en ce moment par le fameux mystère de Takodana. Au moment que je fais cette vidéo, il n'est pas réglé, c'est un easter egg, mais une fois qu'il le sera, vous pouvez compter sur moi pour vous faire une vidéo, puis vous montrer cela parce que c'est vraiment une chasse faite par Hondo lui-même, donc j'ai très hâte de vous montrer cela. À date, la communauté avance très bien. Je ferai une autre vidéo sur Scarif dans pas très long, quand la mise à jour sera disponible sur PC, parce qu'elle ne l'est pas au moment que je fais cette vidéo. Et on discutera de Scarif en multijoueur, comment elle a changé, comment elle est, mes avis et tout. Mais voilà, ça, on y revient. En attendant, on va parler de la fin de Battlefront 2. Car oui, en effet, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, après cette mise à jour, eh bien, c'est fini. Il n'y a plus de contenu qui sera ajouté à ce jeu, ce fantastique jeu, après presque 3 ans de contenu gratuit de la part des développeurs. C'est vraiment, vraiment très triste. J'ai eu vraiment un choc hier quand j'ai appris cela personnellement. Et un stress aussi quand même. Voir tous les messages des développeurs, de toute l'équipe, c'était vraiment très émouvant. Je vais vous en lire d'ailleurs quelques-uns dans pas long. Mais voilà. C'est très dommage parce que Battlefront 2 était dans un état qui allait vraiment, vraiment de mieux en mieux. Je sais qu'il y avait plusieurs bugs ici et là. Je sais qu'il n'était pas parfait. Bien sûr, c'est clair. Mais si on regarde son parcours, tout ce qu'on a vécu ces dernières années, je ne peux qu'en être fier. Je ne peux qu'être fier de faire partie de cette communauté avec vous, qui sont encore présents. D'ailleurs, un énorme merci encore une fois. Il y a eu des hauts et des bas, clairement. Oui, il y a plein d'autres contenus qui auraient été génial à avoir sur ce jeu. C'est franchement dommage. Mais je suis fier d'être resté et d'avoir continué cette passion, parce que ce jeu est franchement super fun à jouer. J'ai adoré faire tous ces moments, ces lives avec vous. Et bien sûr, c'est loin d'être la fin. Ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être la fin. Mais c'est voilà, c'est juste dommage parce que c'était dans une belle direction. Il y avait du bon contenu qui était vraiment ajouté ces derniers temps. Donc bon. Mais voilà, c'est pas la fin. La chaîne continue, écoutez, je veux dire, c'est pas
On a vécu Battlefront 2015, il a arrêté. On a vécu Battlefront 2, il a arrêté. On va passer à la suite aussi. Je veux dire, la chaîne est loin d'être finie. On a plein d'autres projets, j'en avais parlé dans mon dernier live. Vous pouvez bien sûr compter sur moi pour vous parler de tous les projets futurs de Star Wars qui vont venir. Star Wars est ma passion, donc on continue, boys. On a Lego Star Wars qui arrive cette année, probablement le jeu de motif l'année prochaine, et bien d'autres projets qui vont venir. Et en plus, il y a plein d'autres choses qu'on pourra faire d'ici là. Je veux dire, comme j'ai dit justement dans le dernier live, je voulais faire un let's play à nouveau sur Jedi Fallen Order cet été, en grand maître, retourner se faire la campagne pour justement se rappeler les souvenirs de Battlefront 2. Je voulais aussi continuer le let's play sur Lego Star Wars qu'on avait commencé, retourner sur le MMO Star Wars The Old Republic, il y a plein de gens qui attendent cela. Puis, bien sûr, on continue les séries, les revues sénatoriales, c'est super fun avec vous, continuez de poster vos mimes. Les mods, c'est sûr que la communauté va continuer à en faire, et donc vous pouvez compter sur moi pour vous les montrer. Bref, comme vous pouvez voir, c'est loin d'être la fin, il y a plein de choses au programme. Puis en plus, je vous l'ai dit aussi ces derniers temps, j'ai commencé Twitch, si vous voulez venir me suivre, vous êtes le bienvenu parce qu'on fait de la variété à ce niveau-là, et c'est vraiment très très fun. Puis ça va remplir certains trous dans les prochains mois, ça c'est clair. Bref voilà, je suis énormément reconnaissant à l'équipe de Battlefront 2 chez DICE d'avoir vraiment changé ma vie personnellement. Ce jeu a clairement changé ma vie, il a pu construire une communauté incroyable. Notre communauté francophone, j'en suis énormément fier. Ça a créé des amitiés qui n'auraient jamais vu le jour sans ce jeu. J'ai pu rencontrer certains d'entre vous, j'ai pu rencontrer certaines personnes de l'équipe que je n'oublierai jamais de ma vie. Donc pour terminer, j'aimerais vraiment vous lire certains messages de la part des développeurs. Et n'hésitez pas à aller leur dire un énorme merci pour tout leur travail. Alors que le jeu est sorti, il y avait plein de problèmes et ils ont continué à donner tout leur amour envers ce jeu pour le rendre meilleur. Ah, et d'ailleurs, merci Battlefront Holonet d'avoir traduit ces messages, c'est très sympa. Donc, premièrement, on a Ben Walk qui a dit, au nom de toute l'équipe de Star Wars Battlefront 2, merci. Merci pour votre soutien, vos retours, et d'avoir fait partie de notre aventure. Que la force soit avec vous, à jamais. CJ par la suite a dit, je suis sans voix par tous vos messages. Merci, je n'aurais jamais imaginé, lorsque j'ai travaillé sur ma première arme, la EE3 sur le premier Battlefront, que je contribuerais à une communauté de Star Wars si riche et si passionnée. Together Brothers, de la part de Victor. Travailler sur les deux jeux de Battlefront a été une expérience des plus enrichissantes, amusantes et incroyables de mes 13 ans chez DICE. Quand j'avais 6 ans, je n'aurais jamais cru qu'un jour j'allais avoir la chance de travailler sur un jeu Star Wars. Notre cher Guillaume qui a travaillé sur les héros nous dit « Merci et à tout le monde pour cette aventure. C'est clairement la meilleure communauté et la meilleure licence. Je suis extrêmement fier d'en faire partie avec d'ailleurs la meilleure équipe que j'ai jamais eu le plaisir de travailler avec. » Je suis triste que ça soit terminé, mais j'espère avoir la chance de travailler dans cette communauté un jour encore. Et finalement, pour aujourd'hui, terminons avec le message de Denise Brinval. Pour les 6 dernières années, j'ai eu le privilège de travailler sur Star Wars Battlefront. Comme toutes les histoires, il y a eu bien sûr des hauts et des bas. Mais partager cette histoire, cette aventure avec cette équipe de développement et bien sûr nos amis à Lucasfilm, ainsi que mes deux enfants, a été l'une des aventures les plus merveilleuses. Aujourd'hui, je quitte mon travail sur Star Wars. Je vais pour toujours me souvenir de vos mots de soutien, que ce soit quand vous m'avez approché à l'E3, à des événements comme la Star Wars Célébration, en ligne, sur Reddit ou sur Twitter, ou même quand vous m'avez stoppé dans la rue, je suis très très heureux par votre soutien que vous avez apporté et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Faire et surtout transformer cette franchise a été le travail le plus significatif de ma vie. Et travailler dans une galaxie far far away a été l'une des aventures d'une vie. Au revoir et que la force soit avec vous. À jamais. Donc voilà, on oublie souvent que derrière tous ces jeux, il y a des personnes qui travaillent et qui aiment ce qu'ils font. Et je trouvais très très important de vous transmettre ces messages, ces traductions surtout pour que vous les compreniez bien. Puis voilà, donc... J'espère que cette mise à jour va vous plaire, guys. Profitez-en, profitez bien de ce qui arrive. On se retrouve pour d'autres vidéos et un live probablement plus tard. Donc laissez un beau gros like, ça serait très apprécié. Un commentaire, abonnez-vous. Et comme toujours, que la force soit avec vous. À jamais.